Verás.
Le président Gbagbo, seulement Bézira. Le président Gbagbo, ce n'est plus un homme, c'est un monument. Il crée le mec partout où il passe. Actuellement, le président Gbagbo est en route pour son village là, Mama, là où il est, sur la terre de ses ancêtres. Voir ses parents après 10 ans d'exil. Le président Gbagbo se rejoint sa famille. Sa famille biologique, sa famille politique, voilà, et le mec, comme vous pouvez le constater, ici, voilà, il est présentement à Gonfla, ça fait une demi-heure qu'on marche dans le mec, le cortège ne peut avancer. Voilà, un rythme normal, puisque les populations sont aussi nombreuses, absolument massivement, voilà, pour voir l'icône, pour voir le président Laurent Gbagbo, le monument africain, le monument international. Vous pouvez témoigner vous-même.
awesome. Canada. Partagez le direct, vous pouvez constater de vous-même. Ça fait plus d'une demi-heure que le côté est paralysé. Et voilà, et c'est vraiment monté lentement. Voilà, d'un village à l'autre. C'est vraiment très lentement qu'on évolue. D'un village à l'autre, on vient de dépasser. Comme ça, trois villages. Voilà, direction de Gagnoua. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment phénoménal, c'est inexplicable. Il faut être là pour voir ce qui se passe. Il faut être là pour témoigner de ce que de ce qui est l'or le Rangbabo. Il faut être là. Voilà, c'est un monument. C'est une personne qui a atteint une dimension inexplicable. Une dimension inexplicable. Partagez le direct. Voilà, vous pouvez constater de vous-même. C'est en direct, hein. Nous en direct. Partagez. Voilà. Le Rangbabo est enfin en Côte d'Ivoire. Le Rangbabo est enfin sur la terre de ses ancêtres. Le Rangbabo a vaincu de la justice internationale. Les gens, ceux qui l'ont arrêté, sont allés le juger. Ils ont fouillé partout, même dans les entrailles, à la recherche de preuves. Ils n'ont pas eu. Le Rangbabo a été libéré. Il est retourné sur le pays. Il se bat maintenant sur la terre de ses ancêtres. La terre qu'il a vu naître. La terre qu'il a mis au monde. Qu'il a vu voir le premier jour. Rangbabo s'en va chez ses parents. Et vous pouvez constater, on est encore à des centaines de kilomètres, mais le mur c'est tellement qu'on ne peut plus avancer. Et les gens ont bloqué carrément le cortège du président Rangbabo. Voilà, c'est phénoménal. Voilà, ils n'ont pas été mobilisés. Ils n'ont pas reçu 5 francs. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu un morceau de pain, aucune boîte de sardines. Mais est-ce qu'on a reçu quelque chose? Non. Voilà, vous pouvez voir. Le Rangbabo retourne sur le village. Voilà. Et comme il a dit, il s'en va s'incliner sur la tombe de sa mère. Cette mère-là qui malheureusement, par la force des choses, il n'a pas pu enterrer. C'est vraiment un jour de gloire. Voilà, c'est vraiment un jour merveilleux. Voilà, un dimanche somptueux. Voilà, pas les autres. Le Rangbabo. Celui au village. Vous pouvez voir la joie immense. Voilà, on a laissé plein de personnes derrière. Mais les gens courent dans l'intention, voilà, dans l'objectif de retrouver le cortège. Voilà. Ouais. Mais ce qui se passe devant est merveilleux. Ce qui se passe devant est inexplicable. Et de là, on peut voir le monde qui attend le président Rangbabo. Le monde qui attend. Il n'est même pas encore dans les acabus de Gagnoua. Il n'est même pas encore dans les environs de Mama. Mais vous pouvez voir de vous-même. L'homme, le Rangbabo retourne au pays. Retourne chez lui, c'est ses ancêtres. Regardez de vous-même. Oui, c'est merveilleux. Le fils de l'homme est là. Ouais. Non, mais c'est inexplicable, c'est devant. Partagez le direct. C'est le Rangbabo qui rentre chez lui à la maison. C'est le Rangbabo qui a triomphé de la justice internationale. Voilà.
Vraiment, maman, qu'elle soit vivante. Je suis certain que ton réponse, c'est sa résidence. Vraiment, maman, qu'elle soit vivante. D'une prison, avec un traitement inhumain à Rio, à la fin, à Corogo, directement. Ouais, c'est l'émission. Et il est arrivé à la CPI. Les gens l'ont fait subir, une justice aux ordres, vraiment manipulée, et qu'on a vu tous ici. Mais il est sorti victorieux, il est sorti vainqueur. Aujourd'hui, il rentre chez lui à la maison. Il va retrouver ses siens. Partagez le direct. Un peu pour t'avancer, il y a un espace ici, il y a un espace là. Pouvez libérer. Papa obéit, il est dans celui à la maison. Thank you.
Voilà, c'est le 5 village qu'on pratique à pied. Voilà, c'est pas quoi Mama. Et la mobilisation est intense. Le côté n'avance pas. Voilà. Le côté n'avance pas. Thank you.
prendre dans ma boue. Et actuellement, on a bloqué. On a bloqué. Voilà. Complètement immobilisé. Le président a été complètement immobilisé. La population demande de le voir une seule seconde. La population demande de le voir une seule seconde avant de laisser partir. Voilà, il demande au moins ce geste-là avant de laisser partir. Et donc, ils sont carrément bloqués. Ils sont carrément bloqués. Ils sont dans une logique. Voilà, celle de voir le président de l'Angola une seule fois, une seule seconde. Thank you.
France, la France. Oui, continue.